Ah, j'avais désactivé le micro. On recommence. Bonjour tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue avec Evolution sur ce petit Twitch, ce petit live. Comment ça va bien tout le monde? Aujourd'hui, nous allons faire un déballage de la Collector Edition de Farming Simulator 2022 que j'ai commandé, ça fait plusieurs mois. Il est sorti au mois de décembre. Je pense qu'il est sorti le 20. 8 novembre, quelque chose comme ça. Et j'ai pas eu le temps de l'installer, j'ai pas eu le temps de jouer. Fait que je vais découvrir avec vous autres qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce que. Je vais vous le présenter avec mieux, je pense. Regardez le fameux Collector Edition Farming Simulator 2022. Hein? Le jeu le plus attendu au monde. Ok, on va le déballer tout de suite avec vous. On va déballer ça avec un petit joli couteau. On va faire ça comme ça. Comme je vous dis, je m'attends à rien. Je vais déballer avec vous. On va enlever le plastique sur la boîte. Il y a tellement d'emballage sur ces boîtes-là, c'est incroyable. Comment ça va, Odin, aujourd'hui? Le fameux jeu Farming Simulator 2022 avec un petit gyrophare qui va bien. On va l'essayer tout à l'heure, je pense. Fait qu'on va déballer ça. On va passer en mode trop plat, tiens, comme ça, tiens. Pour que tout le monde le voit. Comme je vous dis, je m'attends à rien. C'est la première fois que je l'ouvre. J'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir, pour avoir les petits cadeaux, pour voir les posters et tout ça. Ah, oh, c'est beau ça. Oh. Ça se décolle. Ah, c'est fou. Okay. Regardez, un beau tracteur, un petit, je dirais, un CAS. Ça, c'est un CAS. Vous voyez le nom? Ah, vous voyez pas. Ah, c'est clair. C'est pas grave. Ok, on va démêler ça. On va regarder ce qu'il y a dedans. Déjà, en partant, un USB pour la petite lumière. Il y a des posters. Ça, c'est quoi? Ah! Ah, c'est cool. C'est la première fois hein, que je le déballe, fait que ça se peut que j'ai un peu de misère. Hein. Ah, comme ça. Voilà. Un petit gyrophare! Ben oui! Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas. On va essayer de tester tout de suite. Peut-être. Je sais pas comment on peut mettre ça. C'est un USB. Ah, c'est par là. Okay. On va essayer de tester le gyrophare pour voir de quoi ça a l'air. C'est un. Hey, tabarouette! Checkez ça le fil. Il y a à peu près 3 mètres de fil. On va plugger ça. Bon, c'est l'USB à coco. Ça sera pas long, les amis. Je vais juste plugger. Ok, là, là. Que le gyrophare lui-même, on plug ça comme ça. Ah! Une petite configuration Windows. Pas bien. Le gyrophare lui-même fonctionne pas. Bon, ça va bien. Bon, je vais regarder ça en off. Mais si je le refais, je vais voir. Bon, ça va peut-être prendre une petite configuration Windows pour plugger ça.
Il me dit bacon, like, probablement, ça va prendre une configuration Windows pour plugger ça, là, j'imagine. Il flash, mais ça marche pas. Fait que, pour l'instant, on va oublier ça. Ça aurait été cool, par exemple, que ça fonctionne en live. Ça, c'est. Ça aurait été bien. Je m'attendais à ça, justement. Que ça fonctionne pas sur le coup. Parce qu'on s'entend que c'est Giant. Giant, ça marche jamais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un petit CD modding tutoriel. Pour faire des mods, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le. Ça, c'est des avertissements. Ah! Ben, on a des clics pour activer des tracteurs. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des. Ah! Des maps. Ah, c'est cool. On a une petite map avec Realme, Graph Processing Unit, on a Caprel Tree. C'est joli. Ah, et en arrière, on a une petite map comme ça. La map, j'imagine, du jeu, peut-être Leningrad. Ah, c'est Leningrad. Ah, c'est la map d'FS19. On a FS19 Leningrad en DLC sur le FS22 en version map plastique. Ça, c'est cool. Puis en arrière, on a tout. Ben, je dirais. Biogaz, boulangerie, scierie, etc. On a toutes les composants du jeu. C'est cool. C'est cool, je vais regarder ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, on a. Ça, c'est quoi? On a une autre map. Obélairon. Ah! On a une autre belle petite map. Obélairon. Ben oui. Donc, on a Leningrad, Obélairon. Nice. Ça ressemble à un genre de GTA sans San Francisco, mais. Peu importe. Puis là, on a ici. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi, ça? Ben, je vais regarder avant vous, en arrière de la map, là, pour me faire plaisir. On a. Planting season, harvest season, période de récolte. Ah! On a toutes les périodes de récolte qu'on peut récolter le blé, l'orge, le colza, l'avoine, le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre, la betterave sucrière, la canne à sucre, le coton, le sorgho, le raisin, le raisin. On peut récolter du raisin, ça c'est cool. L'olive, le peuplier, l'herbe, blablabla. On a toutes les récoltes de saison, le temps qu'on peut les récolter, qu'est-ce que ça prend, puis etc. Tu sais, c'est bien fait, c'est, tu sais, les mois, les journées, et tout ça. Moi, personnellement, le mode saison, je n'ai jamais utilisé. Je peux pas en dire plus. Là, mais c'est ça. Ça, c'est une troisième map qu'on peut utiliser, j'imagine. Je sais pas. Mais c'est cool. C'est cool parce que ça nous dit que c'est toutes les périodes. Ah, c'est ça. C'est les mois puis les saisons.
Fait que dans le fond, si on veut récolter du blé, c'est au mois de septembre et octobre, puis on peut planter au mois de juillet et à août. C'est ça en gros. Fait que c'est ça. Ah, c'est ça. Ça, qu'est-ce qu'on a? On a des autocollants! Ouais, des autocollants, c'est cool! On va ouvrir ça tout de suite. Ça sera pas long. Je découpe. Sans abîmer les autocollants, bien sûr. Ok. Ça va faire du plastique à ramasser. Ok. Right. On a celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. Le petit case, le petit fence en haut, la récolteuse. Amazon. On a un Dutz. Un Grimm, un Continental, puis l'autre c'est un Fendt. C'est tous des autocollants qu'on peut coller partout. On a un Hallmark, oh, Hallmark ici, John Deere, pulvérisateur, puis un cultivateur. On a deux autres, quatre autres marques ici. Komatsu, Krampy, Koskelling, Hamper. On a d'autres autocollants là. Avec la petite faucheuse en bas. Ah, ben ça c'est nouveau ça. Tiens, Linstar. Là, c'est sur Alpine FS19 DLC. Ensuite, on a New Holland en bas, à côté du Manitou. On a le 150e Pottinster Everyone in Agriculture. Hein? Je découvre en même temps que vous, hein? Je suis aussi surpris que vous. Mais c'est vraiment bon. C'est. Ici, on a un repas. Je sais pas quoi. Puis le dernier, 75e anniversaire, Valtra, puis des avertissements FS22, sérieuse facture addiction. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est cool. Ça fait chier, par exemple, les gyrophares ne fonctionnent pas, par exemple. Ça fait chier pareil. Puis, on va mettre ça. Oh. En bord de main. Comme ça. Ça là. Puis on a le fameux jeu. Farming Simulator 2022. Le jeu le plus attendu de l'année. Ok. On va l'ouvrir. Ça fait beaucoup de plastique. Je vais aller jeter une coupe de plastique parce qu'il y en a trop sur mon bureau. Je reviens dans un instant.
Là, ça c'est fait. Je suis quand même curieux de savoir si ça fonctionne. Je suis curieux de savoir si. Je vais voir si ça marche. Quelque chose. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer le jeu. Puis en attendant, on a un petit livret explicatif de Farming Simulator 22. On a ça c'est vrai. Ok. On a le petit jeu. Puis l'interface. Ok. On va installer ça. Puis en attendant que ça installe, je vais regarder pour. Je vais regarder pour. Ah, il est en deux CD. Il est en deux CD le jeu. Oh. Comme ça. Il est en deux CD. C'est fou, hein? Il est gros. 19, il était plus petit que ça. Je comprends pas. C'est pas grave. Que, en attendant que le jeu s'installe, je vais essayer de regarder pour ça, cette affaire-là, cette cochonnerie-là. Sinon, tout le monde va bien. Que, je vais installer le jeu. J'imagine peut-être qu'il faut installer le jeu pour faire fonctionner Girofort, ça se peut aussi. Sinon, comment ça va tout le monde? Ben, il y a juste toi, Odin. Ça fait peur à tout le monde. Tout le monde est parti. Non, je rigole.
Pourquoi ça marche pas? Pourtant, quand tu plug, si je fais ça, je fais ça. Quand tu le plugues, ça fonctionne, mais quand tu le plugues pas, c'est de la merde. Je le savais. Quand tu le plugues, mais tu es au bout de mes bras, ben, yeah, ça marche. Je le configure, j'imagine. Bacon Light. Regardez ce qui m'affiche. Bacon Light. Orange. Bacon. C'est un bacon. C'est fou, là. Une tranche de bacon est plus salope que ça. Débile, je sais pas pourquoi ça marche pas. Il faudrait que je regarde sur Internet. Si on démonte, ouais, ok. Ouais, je vais pas le briser. Bacon Light. En attendant que le jeu s'installe, on va jaser un petit peu. Bon, tant mieux. Pourquoi ça marche pas, là? Ça fait chier parce que j'aurais aimé ça vous le montrer que. Ça flash comme un tracteur, ça flash en tabarnak. Ben, je sais pas, là, il doit y avoir une configuration. Probablement qu'il faut installer le jeu ou je sais pas trop. Installer le contenu bonus. Carrière de bon été. Je vais regarder, voir sur Internet. Juste pour le fun. Le temps que le jeu s'installe, on va regarder sur Internet. Je vais vous mettre de même. On va faire ça comme ça. Alors. On peut peut-être se mettre un peu de musique. Rendu à 20%. Starting an online store is easier than you think. Let me show you how to quickly open one. Do you remember way back in the days? The first time you felt it running through your veins. The first hard record you heard being played. And you wish you could put your life on rewind. But you know that you have to leave the past behind. Concentration. It's time to take a trip down memory lane. Close your De quoi eyes. Ma clim en arrière est intense? And relive the age of the De quoi tu parles? J'ai pas de clim. Chris, on est en hiver.
T'es fou, toi? Ok, je repars. C'est mon ordi. C'est la femme de l'ordi que t'entends, mon gars. C'est le lecteur DVD qui tourne, plus la femme de l'ordinateur. C'est ça que t'entends. La preuve que l'ordi que j'ai acheté, c'est une bombe. Ok, je vais regarder ça en offre, ça me tente pas de veiller, là. Je vais checker ça. Pourquoi ça marche pas, là. Comme je disais, probablement qu'il faut que j'installe le jeu first pour l'utiliser, j'imagine. Ça doit être, ça doit fonctionner comme ça, là. Parce que, comment que le plug? Je peux te dire. Quand je le plug, ça marche. C'est tellement cheap que la plug est déjà loose. C'est de la merde. Alright. Je vais regarder ça en off. Dans mes villes. On va déployer ça. Ah ouais, ouais, effectivement, il est intense mon ordi. C'est comme. C'est une boîte de métal avec des composants dedans. Ça te dit ça de même. C'est comme plus fort que ton turbo que tu avais installé avec ton composant de train. Tu sais, ta femme de train que t'avais installé en arrière de ton ordi, ben la mienne, c'est plus fort que ça. Ça pousse de l'air, puis en ce moment, ben il est chaud. Hein? Quand je te dis que mon ordi joue un jeu puis il monte à 60 degrés, juste le CPU, je te parle pas de la carte graphique. Mais. La carte graphique, ça monte jusqu'à 90 Fahrenheit. Quand je joue un jeu, puis les mémoires montent jusqu'à 45 degrés les cartes mémoire. La carte graphique, ça monte jusqu'à 98 Fahrenheit. J'utilise 100% de la carte graphique quand je joue. On s'entend, c'est une 8 gigs. 8 gigs? Ouais, 8 gigs, la carte graphique. Mais non, pour vrai, je regrette pas. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Je sais que t'as pas tenté encore une. Mais pour vrai, je m'attendais à mieux que ça. Je suis déçu de Giant. Je pensais que j'allais avoir quelque chose de beau, là, quelque chose de mieux que ça. Là, tu sais, on... Ça sent le jeu neuf. Ça sent bon. À chaque fois que... Hein, ça sent bon. Ça sent le jeu neuf.
c'est une version française. Une version française. Schlac, 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 schlac. Clac, 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 clac. Installation, étape préliminaire. Ils disent préliminaire. On va passer comme ça. Préliminaire. C'est marqué. Ah, il est là. Hop, veux-tu, hein? Installation, étape, hey! Ah ouais, la caméra! Wesh! En tout cas. Il est marqué, nanana. Avant d'installer le jeu, assurez-vous que votre ordinateur dispose de configuration minimum requise. Configuration minimum requise, système d'exploitation 64 bits, Windows 10, on parle de bits. Un MacBook de 10.14, un processeur CPU Intel Core i5 3330 ou un AMD FX 8320. Ça prend une carte graphique GPU GeForce GTX 660 ou une AMD Radeon. Radeon R7 265. Minimum de 2 GB DRAM qui est compatible avec un DX11, un DX12 et des petites mémoires vives de 8 GB. Un espace de 35 GB. Tabarnak! 35 GB de libre sur le disque dur. Il comprend pourquoi il a deux CD là, hein? Au nom et patrie, en fili, espiritu santé. Amen. Hein? Il comprend là pourquoi il a deux disques. Qu'est-ce que c'est d'autre? Installation avec le disque. Insérer la DVD dans le lecteur. Oh! Et c'est quoi? Insérer le disque d'où? Là. La disque d'or, hein, veuillez insérer la disque d'or dans le putain d'ordinateur. Je vais insérer la disque d'or. Allez, vas-y, insère le disque d'or. On va insérer le disque d'or, le disque haut, le disque d'or. Et ça prend de la place en tabarnak. Là, tu dis quoi? La disque d'eau est installée. Disque d'eau. Ok. Il a dit ok. Attends, là, arrête où t'as pris le poster de dévastation derrière toi. LOL! C'est là que tu fais ta rencontre, mon chum? Hey, ça fait longtemps, là, j'ai vu ça, là. Ça fait longtemps, là. Pas de... celle-là. J'ai Iron Man aussi, là. Ça fait longtemps, là. On travaillait au... vidéo. T'as eu la inondation, que le tuyau a pété. Hein? C'est ça. Alors, il était rendu dans l'escalation. Installation avec le disque, blablabla. Ok, il était rendu là. L'installation devait se lancer automatiquement. Non. Ah ouais. Ah, il y a même la clé d'installation, c'est cool. La vidéo de haut self. Vidéo self. Vidéo self. Est-ce une merde? Cochonnerie.
Bon, le temps que ça télécharge et s'installe, je vais vous dire, je reviens dans 2 minutes. Voilà, je suis revenu. Je suis là. Oh. On va s'asseoir dans un zoom comme ça. Mais je me pose vraiment la question à savoir comment ça marche. Je suis vraiment curieux. Est-ce qu'il y a un piton, quelque chose? Swiss made. Fait en Suisse. Hello docteur! C'est vraiment bizarre. Parce que... il y a un truc sur le dessus, mais c'est pas un... je sais pas c'est quoi. Faudrait vraiment que je regarde sur internet comment ça fonctionne.
Odin, si jamais tu peux trouver, là, tape Gyrophore FS22. Essaye de trouver ça pendant que j'étais en live. Voir si, comment ça fonctionne pour le plugin. Essaye de trouver ça, s'il te plaît, toi qui es bon en informatique, là. Parce que j'aimerais ça montrer au monde, pis ça me tente pas de gosser à trouver comment ça marche, là. T'es capable, là, de... Si t'es bon là-dedans, là, les recherches et tout, là. Ça serait cool. Ça a l'air à flasher en tabarnak. Sinon, non, c'est chill. Mais c'est comme ça, là. Vraiment, là, pis... C'est vraiment cool, C'est la première fois que j'ouvre le Collector Edition, pis pas déçu. Vous voyez, en ce moment, là, sur Leningrad, là, je suis en train de faire le champ qui est là, et le champ en haut, ici. Oh, comme ça, on va faire ça comme ça. Je suis en train de faire ces deux-là, plus celui qui est là. Lui, ici. En herbe, lui là. J'ai acheté le biogaz qui est là pour faire de l'ensilage. Puis c'est pas mal ça. Là, c'est ça la map de Leningrad en DLC. C'est cool, hein? Ça a coûté 50$ pour le Season Pass. Cochonnerie. Trop cher pour ce que ça vaut. Trop cher pour ce que ça vaut, un petit gyrophore qui marche pas. Merci Giant. Bon, là, on va faire ça. Jeu installation terminée. On va faire ça comme ça. Je sais pas si ça prend du temps. Ah, ça prend le petit clé. On prend le petit clé. Ça prend le petit clé. La clé d'installation, le petit clé. On va rentrer notre plein, on va activer. On a un livre des fichiers pour mettre un zoo. Installer. Bâti. Télécharger et vérifier. 3h26 minutes. Une journée et 20 minutes de téléchargement, oh, c'est bon. 45 minutes, 2 heures, tabarnak. Là, regardez ça. 4h30 de téléchargement.
C'est un petit peu long pour moi. T'es là 18 minutes. T'sais? T'es un internet de cul. Ben, je pense qu'on va s'ouvrir un autre billet. Ouais, on va faire ça. Comme dirait Trésus, c'est long, mais ça vaut la peine. Non, c'est pas ça qu'il disait. C'est long, mais ça vaut pas de la merde. Allô, Sarah? Sarah qui? Sarah Croche? Sarah qui crie? Sarah Croche? Sarah? Méchante salope. Saralope. Saralope, salope. Bon, ben, en attendant que ça. Quoi ça? Bon, ça se colle. En attendant que Saralope. Vidéo 7, concorde. La calice de marde. Un petit vidéo de marde. Hey, j'ai-tu perdu mon temps là-bas? Sacrament! La seule affaire qui était le fun, c'était le lave-auto. Ça, c'était le fun. Parce que je pouvais utiliser l'argent de la compagnie pour laver mon char. Ça, c'était cool. Puis, en plus, si on avait des posters gratuits, des nouveaux films qui sortaient. Puis, quand le monde venait porter le film, on avait accès à des films en arrière. Fait qu'on pouvait voler des films. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Puis le monde comprenait jamais rien. Là. C'était comme moi, comment commence ça possible? Comment commence? Alors, tu vas t'expliquer comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Ouais, mais elle comprend pas! Elle comprend pas comment commence! Chris, pas compliqué, sacrement, tu mets ton doigt dessus, esti, pis tu fais pitonner, pis ça fonctionne, là, c'est top là. Elle comprend pas comment ça fonctionne. Crétin. C'est pas. Ok. Faire ça de même. Là, je vais essayer de trouver. Trouver, installer, trouver. Gyrophore. Gyrophore FF22. Ouais, c'est vrai. On n'était pas fous dans ce temps-là. C'est vrai, t'as raison. M'en fous! Je veux juste voir comment installer la petite gyrophore de merde. Mon colis. Bla bla bla. Qui lui il fait juste parler de du collector edition. Lui il a fait la même affaire que moi. Je sais pas comment ça marche.
curieux pareil. Tu sais, tu fouilles un peu. Le temps que ça installe, là. Ta gueule. Qui parle de voler un DVD? Le petit noir qui court la TV pis le DVD? En passant, Odin, t'es le seul auditeur. Fait que... t'es tout seul. T'es juste tout seul. C'est tout ce que j'avais. Mais là, curieux de savoir, là, si là, ça fait chier. Comment ça marche, faire cette cochonnerie-là, tabarnak. YouTube, on va faire ça même. Peut-être faire ça comme... ouais, c'est le même. Odin, tu me niaises, hein? Je peux pas t'appeler, esti, je t'enlève, calice, tu me niaises. Cherche sur ton bord, esti, voyons donc. Ben oui, toi. Allô? T'es qui? Allô, qui? Sarah? Sarah crache! Pip! Comique, le gros. On va pas t'appeler en live, là. Mais oh non! On va t'appeler quand je vais avoir le temps, pas en live. T'es comique, toi, Chris? Rediffusion, tu connais pas ça? Aïe, une mise à jour de merde, ça va être long, hein. Aïe. Ouais. C'est ça, c'est nous. Là, tu peux pas l'installer. Configuration d'un appareil. Après moi, il va vraiment falloir que j'utilise, que j'installe le jeu pour utiliser ce report. Je suis sûr que c'est ça. Ça doit être un affaire dans la main. C'est clair, ça doit être ça, oui, c'est ça. Je vois pas d'autre chose que ça. Allez, continue mon mieux. Ouais.
En attendant que ça télécharge, on va faire ça. Je vais faire ça de même. Puis, je vais faire ça. J'ai trouvé mon putain de jeu. Allez, là. Là, j'ai perdu mon chat. Ça va donner un peu de crédibilité à ce live-là parce que le monde va s'en nommer. Ah, comme je disais, Ellingrad. Maintenant, ça s'installe. Ça va être long. 11h. Qu'est-ce que c'est quoi t'installe? Pas que c'est un nom de même. 1 heure, 2 heures. Oui. The colors of the harder styles. Bon. Attendant que l'autre trou de cul de jeu Giant de Mars me parle. Je n'ai pas m'entendre parler. Alors d'abord. Mais oui, quand t'es loin de la machine, mais tu t'entends plus rien, ça commence encore bien. Faire ça de même. En passant, ça c'est FF19, hein. C'est pas FF22. FF20. FF et suite FF. Odin, j'ai pas le temps de te parler au téléphone en passant, je suis en live. J'appellerai tout à l'heure ou dans mon. Rediffusion de live, tu connais pas? Tu t'imagines? Oui, allô? Il parle sur Twitch, il vient te parler au téléphone, c'est pas grave, la live diffusion est là, non. Faudrait que je fasse Be Right Back pour jaser pendant un an de temps. Non. Ça paraît mais... De toute façon, la petite lumière de marde, on s'en calisse. Bon, moi je m'en calisse, mais pas vous autres, c'est ça. Excusez-moi. Ok, en attendant, on va jouer à la fesse de marde 19. Parce que j'ai encore pour 9 petits bouts à télécharger, je sais pas quoi. Ils téléchargent des mises à jour de je sais pas quoi du jeu de marde. De Giant, de Corlys, de je sais pas trop quel jeu de Corlys, de marde qui télécharge des mises à jour de même quand la fesse 17 et la fesse 19, ça prenait pas si longtemps que ça. Tu colissais le DVD dans le lecteur, ça prenait 5 minutes de t'installer. Au gros max, 10 minutes, si tu t'installes, lui, ça prend 2 heures sacrément pour installer le colis. Donc, FF19, c'est 25 gigs d'espace de disque dur, puis lui, c'est 35 gigs d'espace de disque dur. Tu n'as pas fait chier à dire que 10 gigs, si ça prend 2 heures de plus à installer, sacrément, c'est pas vrai.
C'est quoi ce petit jeu-là? J'ai payé ça à 615$ pour le Collector Edition de marde, de Tollis, de Giant, de Sacrament. C'est quoi là, la joke? Hey, 2 heures pour installer un jeu, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Là. Télécharge des mises à jour, puis des mises à jour, puis des mises à jour. C'est vrai que depuis que FS22 est sorti, il y a eu pas loin de 5 ou 6 mises à jour qui ont été faites. À vous, 5 mises à jour, 6 mises à jour de jeu depuis que le jeu a été sorti, alors que ça fait 2 ans que tu travailles dessus. 2 fucking années que tu travailles sur ton calice de jeu, tu t'es même pas foutu de sortir comme du monde parce que ça prend des petites mises à jour pour que le monde continue à jouer. Parce que tu t'es rendu compte que ton calice de jeu, c'est de la calice de merde. Puis nous autres, les petits calices indépendants, tabarnak d'acheteurs de sacrement, on achète ça. Hein, c'est tabarnak. T'as calissé 2 ans, t'étais censé sortir ton esti de jeu en 2021, sacrament, pis à cause de la calisse de COVID, de micro-marde, de sacrament de ciboire, de calisse de cochonnerie, de sacrament de virus, de marde, t'as retardé ton esti de jeu de marde depuis 1 an, sacrament, pis après ça, tu viens me faire chier tes esti de mise à jour de calisse quand t'as eu 2 ans à travailler dessus. À faire tes astuces de setup de marde, tes astuces calées de cochonnerie, setup de tabarnak. Là, tu viens de faire chier tes astuces mises à jour de calées de tabarnak, de ciboire, de giant, de sacrament, tu fais chier. Mais je suis en train de jouer à ton 9 petit jeu de cul de calées parce que j'ai rien à foutre ici. Ça se fait pas. J'ai payé ça 115$ ton 9 petit jeu de cul. Et en plus, tu me donnes un merci d'aéroport dans un merci de boîte de marde, de carton de calice, avec des merci pour ça de cul, qui marche pas. Moi, j'avais pas de support de Jayon, c'est sûr. À part de même. C'est clair. Non, mais il y a Schizophable, qui peut donner des supports de Jayon. Lui, il est tellement connu par Fanny Simulator, le tateur. C'est un merci de tateur. Un lèche-cul. C'est ça que c'est. Il y a un poster en arrière de son mur, là. Sur son esti mur blanc, là. Son esti poster de marde, de giant, de calice. Puis il crie son petit marteau dedans, ça fait 3 ans. Puis il le fait pas parce qu'il n'y a pas les esti couilles pour le faire. Moi, si je serais lui, ça fait longtemps que j'aurais collé 5 coups de masse là-dedans. Hein. T'as pas les couilles pour le faire. Mais descendre en France pour aller y aller, moi. Mais crie 5 coups de masse dedans, ça va. Je vais juste me dire oui, crisser un coup de masse dedans, mais crisser un coup de masse dedans. Mais encore lisse, moi, de ton corps de giant de marde. Il est lait en plus ton corps. Ça, ça. Hey. 3 heures. 3 heures et demie pour installer un jeu. C'est ça qui est marqué. Là, il me donne 26 jours. 26 jours. Soit c'est le jeu qui est de la marde ou c'est mon internet qui est de la marde. 26 jours, hey, je peux pas, il me donne 26 minutes à comprendre. C'est de la merde. C'est n'importe quoi. Sérieux. Fait qu'en attendant, ben on va faire le GFS fucking 19 de merde. En attendant, jouer à ce fameux jeu. Je suis content de John Bunky, mais là, l'installation, ça prend du temps en sacrément. Ça fait du bien, par exemple, de jouer le corps de même. Un peu dans la grêle.
Là, en ce moment, je suis en train de faire le champ que je vous ai montré tout à l'heure. Tu peux retrouver la petite map de Corvallis. La map de marde. Et où la petite map de marde? Ça, c'est ça. Ça sera pas long. On va trouver la petite map de marde. Ok, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. En ce moment, là, je suis en train de faire. Faire ça. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je suis en train de faire. Allô? Bon. Je suis en train de faire. Le champ qui est. Où? Ah, là. Je suis en train de faire ce petit champ de marde-là. Lui, c'est ça. Allô? Lui, là. Je suis en train de faire lui, là. Ça marche pas. Je vais faire ça même de bord. Lui, en haut. En haut, là. Je passe un gros plan de bord. Je suis en train de faire ça là, là. En engrais. Pour ensuite cultiver. Prendre toute l'herbe qui est dedans, faire de l'ensilage pour ensuite l'amener au biogaz qui est là. Puis après ça, je vais faire les champs qui sont là. Je vais peut-être acheter celui-là en bas. Je sais pas. Mais c'est Lingrad, DLC, 50$, season pass, la marde, la colise de marde. Ça vaut pas la peine. Mais je disais de la marde tout à l'heure, mais sérieusement, le boîtier de FS22, le connecteur Edition, à part la petite marde de lumière qui marche pas, sérieusement, c'est... pas mauvais. Parce que il y a des maps, il y a des cartes, il y a des autocollants pis tout, c'est vraiment cool. Mais un gyrophare qui marche pas, c'est un gyrophare qui marche pas. Hein? C'est pas compliqué. C'est de la merde. C'est ça qui est ça. Fait qu'on se dit à la prochaine avec Evolution. Salut! Non, c'est pas vrai. Niaise. Je vais mettre ça là. Non, sérieusement, je vais aller... Je vais aller fumer une clope. Puis on se retrouve dans un instant.
lore, and politics. It's your one-stop big picture analysis of the daily issues that matter to you, from here at home and around the world. Canada's premier political news show, Power and Politics, weekdays at 5 p.m. Eastern. Rebonjour les amis, petit changement de live, on se revoit bientôt, j'ai une petite urgence, j'espère que ce petit live vous aura plu, alors n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous follow, je vous dis à la prochaine avec Evolution, et quand je vais revenir,
Je vais avoir installé le jeu FS22 et je vais peut-être avoir essayé de faire fonctionner ceci, mais si je vais faire de merde. Donc, attention à vous autres, prenez soin de vous, et puis on se dit à la prochaine avec Evolution. À plus.